Et alerte mes amis, n'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? C'est celui de ceux qui se gavent. 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 Ce n'est pas le problème de l'immigré. Ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. On peut changer tant et tant de choses. Et en particulier, ses salariés, ses ouvriers, ses employés à tous les niveaux, au bureau et à l'atelier. Et à l'atelier, nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde. Parce que nous allons faire changer d'eau en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique dont l'humanité a besoin, dont l'humanité a besoin. Mais l'humanité tout entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple pour que les pays où l'on est riche et ceux où on est pauvre, tous aient les moyens de manger correctement. Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? C'est celui de ceux qui se gavent. 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 C'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent, c'est celui de ceux qui se gavent.